Bonjour, nous poursuivons sur la chaîne La Rétrospective Astérix. Je vous rappelle que je reviens chaque jeudi sur un nouvel épisode en live action d'Astérix avec comme échéance la sortie au cinéma le 1er février 2023 précisément du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Nous avons parlé il y a deux semaines d'Astérix et Obélix contre César réalisé par Claude Zidi, mais également il y a une semaine d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre réalisé par Alain Chabat. Jamais 203, malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Puisque nous parlons aujourd'hui d'Astérix aux Jeux Olympiques, réalisé par deux inconnus, en tout cas pour moi, à savoir Frédéric Forestier et Monsieur Thomas Langman, qui sont d'ailleurs peut-être également au scénario, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a quand même quatre scénaristes, ce qui témoigne un petit peu de cette fournaise de gros bazar que représente à mes yeux le scénario de ce film et le projet de toute façon, de manière générale. Il faut savoir qu'il y a eu d'énormes problèmes de développement, des problèmes de tournage avec ce film, ça se sent. Mais à un moment donné, quand vous sortez votre film au cinéma, c'est que normalement, il est censé être réussi et vous n'avez pas vraiment d'excuses, car sinon, ça s'appelle « Se moquer du monde ». Et très surprenant, mais c'est l'un des films qui a certes les mieux marché au box-office en France au cours de ce 21e siècle en ce moment, mais à la fois c'est peut-être l'un des films qui est les plus décriés, les plus détestés possibles. Et en même temps, quand on voit le travail, ça n'a absolument rien d'étonnant. Je vais donc vous faire un petit synopsis. Le synopsis est très simple. Ce film, je tiens à le rappeler, s'inspire évidemment du matériau d'origine, à savoir le tome 12 d'Astérix, Astérix aux Jeux Olympiques. Alors, comment résumer l'affaire? Il y a les Jeux Olympiques qui vont se tenir, il y a un Gaulois qui s'appelle Alapholix, qui est un personnage sirupeux, poussiéreux, inexistant, voilà, pour résumer un petit peu, qui est amoureux, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est pas grave, qui est amoureux de la princesse de Grèce. Mais Brutus, interprété par Benoît Poulvorde, le seul acteur qui croit visiblement en ce projet parce qu'il essaie de se donner à fond, là où les autres ont compris d'emblée qu'avec une écriture pareille et un scénario si défaillant, ça n'irait pas bien loin et que c'est déjà cuit à l'avance, donc merci d'y croire, monsieur Benoît Poulvorde. Benoît Poulvorde, Brutus, fils de César, Alain Delon, bonne idée sur le papier, auto-caricature de l'acteur, qui parle de lui à la troisième personne, mais un film qui manque de relief, donc à peine l'idée est-elle montrée à l'écran qu'elle nous ennuie profondément parce qu'elle n'est pas exploitée pendant le reste du film. Vous avez vu un petit peu le scénario, comment j'essaie déjà de donner un petit peu une orientation concernant mon avis. Nous avons donc Brutus, qui est également amoureux, on ne sait pas, mais en tout cas qui veut épouser aussi la princesse de Grèce. Nous avons donc un Gaulois et un Romain qui veulent la même femme. Pour les départager, nous verrons qui gagne les Jeux Olympiques. Très bien. Ça s'arrête plus ou moins là. Je ne parle même pas d'Astérix et Obélix qui sont cruellement ici inexistants aussi, mais eux parce qu'ils sont complètement secondaires. J'ai regardé un petit peu, au bout de 30 minutes de film, combien de temps nous avions vu Astérix et Obélix. Le temps est dérisoire. Alors, il y a des films, notamment d'animation, dans lesquels Astérix et Obélix sont au second plan. Par exemple, le film d'animation d'Alexandre Astier, Astérix et le secret de la potion magique. Mais on les voit quand même. Là, tu sens assez pitoyablement, et je pèse mes mots, que le film, tu ne sais pas pourquoi, mais il s'embarque dans cette histoire complètement inintéressante d'histoire d'amour qui regroupe donc Brutus, Brutus qui veut aussi tuer César, il y a un petit peu ce noyau là, pas très très passionnant, et tu sens que le film passe beaucoup trop de temps à traiter de cela. Alors il y a quelques gars qui peuvent être rigolos, moi j'aime bien quand même le personnage de Brutus un petit peu, c'est-à-dire que c'est un personnage à l'image de Gargamel un petit peu dans les Schtroumpfs. Gargamel, vous savez pertinemment qu'il n'arrivera jamais à ses fins. Brutus, c'est un petit peu ça, et vous êtes presque un peu pour lui à un moment donné, parce qu'il s'y prend tellement mal pour essayer de se débarrasser de César, qu'à un moment donné, vu que c'est un petit peu le grand perdant magnifique et complètement à la ramasse, t'as envie qu'il s'en sorte. Mais évidemment, le comique finit un petit peu par se rouiller, parce que le comique de répétition, il faut quand même qu'il y ait un petit peu un petit prodige d'écriture à un moment donné. Par ailleurs, je tiens aussi à le préciser d'emblée, mais dès lors qu'on ne voit pas Astérix Obélix, il y a également ce sentiment que nous ne sommes pas dans le même univers. Benoît Poulvorde qui fait appel à un mage romain qui dispose plus ou moins visiblement aussi de la potion magique
et ça te questionne beaucoup sur la cohérence globale de l'univers. À l'image d'un élément qui pour moi n'est pas très réussi dans la bande dessinée, c'est pas dérangeant, vous allez comprendre. Panoramix propose une potion magique, ici Panoramix interprété d'ailleurs par le père de Vincent Cassel qui pour moi joue pas bien du tout. Paix à son âme, c'était son dernier rôle, il est décédé avant même la sortie du film. Vincent Cassel, son fils, on le retrouvera bientôt, peut-être pour perpétuer la tragédie familiale du jeu absolument catastrophique avec de ce qu'on a vu dans la bande-annonce, à savoir Vincent Cassel qui joue comme une quiche Jules César pour l'instant, on est parti là-dessus, c'est pas grave. Dans la bande dessinée, Panoramix essaie de piéger les Romains. Il arrive, habilement ou pas, à leur faire boire de la potion magique, et en mettant un colorant dans la potion magique, dans la marmite de potion magique, on comprend donc que les Romains ont triché, qu'ils se sont donc dopés, et ainsi c'est Astérix et les Gaulois donc qui s'imposent dans les Jeux Olympiques. Dans la bande dessinée, c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais c'est pas vraiment l'ambiance de la bande dessinée, faut pas raisonner comme ça avec les bandes dessinées, mais c'est quand même terrible, parce qu'en gros, les Gaulois donnent de la potion magique aux Romains, donc les Romains sont invulnérables quasiment là si tu leur refiles la potion. Mais ce n'est pas dérangeant, parce que tu sais que tu as affaire à des personnages romains dans la bande dessinée qui ne sont pas vraiment intéressés par le pouvoir, plus que ça. Ils veulent, pour l'athlète romain, il veut devenir champion olympique, et le romain qui est avec lui, qui est le centurion, me semble-t-il, du camp romain, lui, il veut être préfet, de, me semble-t-il, de mémoire. Ils n'ont pas d'ambition impériale, au sens où ils veulent pas devenir César. Là, tu refourgues quand même la potion magique au clan de Brutus, qui veut détrôner César. Et cet abruti de Brutus, il profite pas d'avoir la potion magique pour se débarrasser de César, il veut juste gagner ses Jeux Olympiques. Parce que s'entremêle très maladroitement cet enjeu de conquête avec la princesse, et cet enjeu vraiment dictatorial, il veut prendre le pouvoir et être tout seul, et encore même pas tant que ça dictatorial, parce que je ne veux pas être méchant, mais des personnages comme Alexandre Astier, ses bras droits paraissent presque aussi crédibles que lui en César. Alors c'est pas vraiment dérangeant d'avoir des personnages qui sont pas crédibles, c'est déjà plus dérangeant d'assister en fait à un film où t'as l'impression que la caméra est un miroir déformant. Tu as vraiment une mine d'or pour réussir ton film avec Astérix comme matériau d'origine, comme les Jeux Olympiques, mais tu n'en fais rien. En termes de mise en scène, je n'ai pas grand chose à dire, je trouve que c'est pas très bien filmé, et surtout, je trouve qu'il y a un vrai problème avec la luminosité. Alors ok, on est peut-être dans un environnement qui est à propos, mais cet effet dégoûtant de jaune qui te donne presque envie de vomir, ce n'est pas possible. Et alors, je tiens aussi à préciser que notre cher remplaçant désormais, successeur en Astérix de Christian Clavier, à savoir ici Clovis Cornillac, qui est un acteur que j'apprécie d'ordinaire. Ici, je ne sais pas comment ils ont fait, mais alors, c'est pourtant un beau gosse, Clovis Cornillac. Peut-être qu'il vieillit bien avec le temps aussi, qu'il est peut-être plus beau désormais qu'à l'époque, mais en 2008, là, il est repoussant, enfin, il est moche. T'as l'impression d'être un peu, oui c'est ça, dans Les Visiteurs, sauf que dans Les Visiteurs, les moments où les personnages sont censés être repoussants, c'est fait exprès. Là, t'as vraiment l'impression que tout est hyper maladroit, que rien n'est fait exprès, c'est assez terrible. Alors au moins, le film a un point positif, c'est qu'il a visiblement inspiré ce qui arrive désormais dans les bandes dessinées, dans les séries sur France TV, à savoir Idéfix et les Irréductibles, c'est-à-dire Idéfix qui est à Lutèce et qui combat un petit peu les Romains avec des chiens. Parce qu'ici, dans ce film, nous avons des chiens, à un moment donné, qu'on peut voir et qui, visiblement, ont fortement inspiré ces nouvelles idées artistiques. Mais le problème, c'est que ça s'arrête un petit peu là concernant les points positifs. Pendant cette scène, d'ailleurs, on voit des chiens. Il faut quand même préciser qu'on a une sorte de folie des grandeurs à la ramasse, parce qu'il y avait donc dans La Folie des Grandeurs, ce grand film de 1971, il y avait évidemment notre cher Yves Montand qui essaie de conquérir la reine. Ici, on a une sorte de quiproquo pourri entre Benoît Poulvord et qui croit parler à sa belle alors qu'en réalité il parle à Obélix, mais l'idée humoristique est tellement pas aboutie que c'est juste complètement pathétique et éprouvant à regarder. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et globalement, on a aussi quand même cette fin, c'est-à-dire que le film non seulement n'est pas réussi, mais il n'arrive pas à s'arrêter au bon moment. Au bout d'une heure trente de film, j'ai envie de dire que la torture est déjà de sortie, donc allez, générique de fin, on s'arrête là. Non, l'histoire est finie, mais le film, qui manque de confiance en lui, qui est conscient lui-même évidemment que c'est une catastrophe et que tout le monde va crier au scandale, se dit,
amenons du fanservice pourri. Comme ça, les gens seront contents. Il y a normalement des personnes sportives qui vont être contentes de voir arriver Zidane ou tout autre sportif, on va pas s'amuser à les citer forcément, on a Tony Parker, me semble-t-il, et d'autres, qui arrivent à la fin pour une sorte de banquet qui s'éternise. C'est horrible, on a Jamel Debbouze qui revient. Vous vous rappelez quand c'était bien Astérix Obélix, quand c'était Alain Chabat qui s'en occupait il y a quelques années? C'est horrible. Donc je pense que je vais m'arrêter là. La souffrance est palpable, c'est clairement le pire live-action Astérix. Je m'étais promis de ne jamais le revoir, mais je l'ai quand même revu dans le cadre de cette rétrospective. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes ou pas d'accord avec moi. J'ai peut-être un peu plus pris mon pied que lors du précédent visionnage qui remonte déjà à une dizaine d'années, mais je ne le reverrai plus parce qu'il y a quand même quelques petites scènes où Poulvord parvient à m'arracher des petits sourires, voire quelques rires. Tu sens quand même que là, oui, on a un film qui n'a vraiment, mais aucune possibilité, même sur un malentendu, d'être réussi. Ce n'est pas possible. À mon avis, c'est vraiment ça. Parce que comme c'est l'écriture qui pêche, t'as beau essayer de remonter le film, peut-être d'essayer d'améliorer des failles, à mon avis, visuelles, comme je vous l'ai expliqué, voire de couper certaines scènes comme ce banquet final qui n'en finit plus et qui est insupportable et qui fait passer Jamel Debbouze pour un débile. Zidane, il sait pas jouer dedans et tu comprends pas ce que ça amène. Ça n'amène rien du tout. C'est juste placardé comme ça. Même si tu essaies comme ça de bidouiller le film dans tous les sens, moi je pense que non. Jusqu'à la moelle, ce film n'est pas bon. Mais ce n'est pas grave, nous serons un petit peu plus, même beaucoup plus positifs lors de la prochaine rétrospective, du prochain épisode de cette rétrospective Astérix avec Astérix Obélix au service de sa majesté. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine et partout à tous, le ciel m'est tombé sur la tête et me dévore la tête tellement le film est pas bon.